Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Frigiel. Bonjour, mais t'as pas la tête habituelle. Ah non, j'ai changé, j'ai pris la grosse tête, je suis Mario, bonjour. T'as toujours une grosse moustache. Ouais, une belle moustache, une moustache que je n'aurai jamais dans la vraie vie, bref. Comment vas-tu? Je peux y toucher? Les fanfictions, faites des fanarts, bien sûr. Bon, on espère que vous allez bien les amis, aujourd'hui on se retrouve sur une map qui a été faite par la team Andorra. Connaissez, qui font les maps FFK, voilà, on les connaît bien mine de rien, qui s'appelle Nintendo Poppée et qui a subi pas mal de modifications. Nintendo Poppée, exactement. Donc c'est une map en fait d'aventure slash visite dans l'univers de Nintendo. Ah, mais d'ailleurs on est déjà dans un bloc là. On est dans un lucky block. Interrogation, ouais. Enfin, les blocs de Mario, effectivement. Et donc moi j'ai déjà un peu cassé la map en fait, voilà, puisque en fait je suis rentré là-dedans, ça m'a mis la tête de Mario sur la tête. J'ai plus d'oreilles. Attends, j'ai plus d'oreilles. Regarde comme ça. Je suis Luigi. Hey, c'est le château de Mario. Mais oui. Mais alors, attends. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit dans le chat? Allez, parler à la princesse Peach. Ah non, mais c'est ta femme. Ah bah écoute, oui, mais toi, t'es Luigi, hein, mon gars. Je suis désolé, mais là, pour le coup, c'est tu es Luigi. Moi, je pense que Peach, elle irait mieux avec Luigi. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Mais... Oh, écoute, je sais pas. Elle a Daisy, elle est bien. Oh, mais Daisy, elle est moche. Non, c'est qui là? Mais mec, tu marches sur la table comme ça, sans pression. Bah ouais, un peu de respect quand même. Regarde tous les personnes, allez là. Ah, elle dit bonjour. Bonjour Mario et Luigi, j'espère que vous vous plaisez à ma petite fête d'anniversaire. On saute de joie, t'as vu. On trépigne d'impatience. Que vous soyez... mais qu'est-ce qui se passe, bon, encore une fois? Luigi, Mario, sortez vite dehors pour voir ce qui se passe. Todd, accompagnez-les, ok. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on tremble. Ah, je suis en train de me casser les jambes. Je sais pas si c'est normal qu'on tremble comme ça. Oh. Ah, le tremblement a l'air de s'être arrêté, en effet. J'ai l'impression que nous ne sommes plus au royaume champignon. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Mais on m'a vendu du Nintendo. Ça y ressemble pourtant. Ah regarde, il y a même des chop... Comment ça s'appelle là? Il y a les poissons là. Oui. Chup. Les petits poissons. Oui, donc on a tout un ressource pack bien sûr qui modifie un petit peu les apparences, les textures. Bah viens, je te propose qu'on explore. Hein. Ouais. Attends, bah là, on peut rentrer dans la maison peut-être. Ah mec, t'aurais dû venir. Oh non, j'ai eu Ah bah tant pis. Bah oui, mais t'avais qu'à venir. Bah tu sais quoi? T'es Sacha et moi je suis Régis, tu vois, moi je choisis le Pokémon avant toi. Quoi? Attends, mais on a une quête de Pokémon. Donc oui, ça mélange tous les univers. Mais oui, jeune dresseur fou. Pokémon, vas-y. Et j'ai entendu parler de vous et je vous ai préparé un équipement spécial pour partir à l'aventure, voilà vos premières Pokéballs. Bon, allez jusqu'à Jadiel et il faudra capturer un Pokémon sur la route 1. Pour ça, rien de plus simple, jetez votre Pokéball sur le Pokémon et laissez la magie opérer. Très bien. Mais moi je pensais que j'allais choisir mon starter et je t'aurais laissé le pire, tu vois. T'aurais pris qui, vas-y? Moi j'aurais pris celui-là, au milieu. Ouais, mais ça correspond à qui? Tu prends qui dans les jeux, toi? Prenez Carapuce, voilà. Ouais, dis-nous quel team vous êtes dans les commentaires, bien sûr. Team Carapuce. Je suis Team Salamèche, toujours. Ah bah voilà, j'aurais gagné. Parce que l'eau. Ah bien, parce qu'attends, à ce rythme-là, attends, il va y avoir un petit kart de Mario Kart à gauche, là, je sais pas. Ah ouais, parce qu'on est à Bourg-Palette. Mais oui, Todd, où on est? Mais du coup, c'est n'importe quoi. Il y a Sacha, je peux faire une photo avec Sacha? Vas-y, j'avais oublié que j'avais la tête. Oui, c'est Red, que j'avais la tête de Luigi. Oui, t'es Luigi, t'es plus connu que lui au final. C'est ridicule. On se regarde un petit peu dans les maisons. Il y a même des Pokémon dans les maisons et tout. Oh! Ah, mais y'a un Pokémon là! Qu'est-ce que c'est? C'est un Roucool! On peut le taper avec un Pokémon. Attends. Pokédex, analyse! C'est trop bien fait! Je veux l'utiliser! On peut le capturer! Oh, je l'ai capturé! Mais oh non, il est sorti! Vas-y, je à toi! Je l'ai piqué! Mais tu l'as raté! Attends, il est où? Ah! Je suis en place, c'est possible! Ouais! Non! Oh, yes! Ouais. J'ai un Pokémon! Vas-y, sors-le pour voir! Tadam! Ah non. Ah, je peux pas comprendre. Attends, il y a écrit quoi? Roucool, ouais, il y a écrit que j'ai capturé un Roucool. Bon, parfait, alors attends, nice. Je vais choper le mien quand même. C'est bon, je suis en train d'y arriver. Roucool, il est niveau 100, mon gars. C'est un Roucool niveau 100. Non, j'ai regardé, il est pas écrit. J'allais dire, quand même, ce serait abusé. Alors attends, bon, il faut que j'arrive à capturer le mien. Trop pété, tu sais. C'est bon, je l'ai. Regarde, il y avait des. C'est un carapuce? Je vais le capturer. Non. Oh putain. Yes! Carapuce, et ben voilà, ça y est, Team Carapuce, les amis. C'est pas possible, mais non, mais le mec. Team Carapuce. Bah, j'avais dit que je prendrais Carapuce. S'il y a un Salamèche, il est pour toi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est un Goopix. Vas-y. Mais non, c'est un Goopix là. Mais si, c'est un cochon. Mais ça, mec, c'est un Goopix, 100%, c'est un Goopix. C'est beaucoup trop un Goopix, t'as raison. Il est beaucoup trop. Oh, il est pas content, hein, toi, ils veulent pas de tes Pokémon. J'ai bientôt plus de Pokéball, moi. Déjà, je t'en ai volé une à toi, c'est bon, j'ai mon Goopix. Bon, j'ai mon type feu, ça me va. Ah, bah voilà, c'est bon là. Très bien, tu passes par là et... Bah, je sais pas, je suis de chemin, là. Oui, vas-y. On avance. Bah, vraiment, les amis, il y a encore un boucle. En tout cas, c'est bien fait. C'est très longue. C'est quoi? Attends, c'est quoi? C'est tellement joli que je vais même sortir les shaders.
Oh, je pensais à la même chose, figure-toi. C'est magnifique. Ah oh, oui, alors là, Mario et Luigi, là. Parce que là, regarde. J'ai l'impression qu'on change d'univers, non? T'en penses quoi? Oh là, qu'est-ce que c'est que ça, là? Mais tu reconnais pas? Moi, je reconnais. C'est là, attends. Tu reconnais? C'est un volcan? Mais non, mais mec. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je l'ai pas? Dis-moi ce que c'est. Mais tu sais ce que c'est! Tout le monde sait ce que c'est! Si ça commence par un Z. Oh! Mais non, mais attends, quoi? Vraiment? T'es sûr? Mais oui, c'est ça! C'est le donjon de Zelda, ça, de Breath of the Wild. Tu penses? Ah, et je pense qu'il faut se mettre dans la fumée. Mais je pense que tu as raison, vas-y, on y va. Voyons voir. Eh bien non. Oh non, j'ai peut-être un peu abusé sur la fumée. Ça, attends, avançons pour voir. Bon, alors, vu que. Ah! Oh bah, regarde. Porte ouverte. Est-ce que tu penses porte que porte ouverte, mon gars. Ça s'est ouvert tout seul. Alors, on vous explique. En fait, on était désespérés. On allait se donner une Underpearl pour essayer de d'activer la tablette. Et je pense qu'on vu qu'on a capturé les trois Pokémon, maintenant la porte s'est ouverte. On a résolu l'énigme sans savoir, sans faire exprès. En sachant c'est mon Pikachu, bien sûr, qui a ouvert la. Ah, bien sûr, moi, ça met de gros coups là. T'as vu, on flotte. Oh, donjon de Zelda. Oh, mais c'est clairement un donjon. Ah, mais ok, je viens de comprendre. Ton donjon dont quoi qu'est-ce qu'il y a oui le sanctuaire c'est les mais sanctuaires. Oui les sanctuaires Zelda mais oui, mais c'est pour ça que regarde. Je reconnaissais pas de donjon comme ça. Ah, j'ai bah si, alors il y a de la redstone casseur de redstone. J'en prends un. Bon, prends la redstone. Bon, vas-y, on prend c'est la moitié chacun. Permet de détruire la redstone et les repeaters. Vas-y, je prends la redstone. Très bien, on va pas te répéter deux deuxième, fois. T'as ton deuxième truc là, t'as pas pris ton casseur de redstone? Mais si, j'en ai un, moi. Ah bon, j'en prends un deuxième. Vas-y, je te suis. Ah bah tiens, regarde, justement, il y a de la redstone là. Regarde, il y a un coffre caché là. Ouais, il va falloir ramener de la redstone, tu penses? Attends. J'sais je pas. Peux poser de la redstone comme ça, mais je peux pas aller plus loin qu'ici. Moi, je pense qu'il va falloir fouiller, regarde. Je pense qu'il faut fouiller et potentiellement. Mais moi, j'en ai un peu de la redstone. Je sais. Mais je pense que là, on en a pas assez. En fait, il faut trouver le bon endroit pour débloquer. Tu penses qu'on en a pas? Je vois que ça. Hein. Là, le casseur de redstone, il marche pas très bien. Hein. Ah, si toi, il marche? Moi, il marche pas. Il marche. Mais non, regarde, et si on relie ce bloc blanc là. Tu penses ça peut faire un truc? Et tu penses qu'on a assez, attends. Mais c'est pas très... Ah si. Il se passe quelque chose. Oh okay. Mec. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça va jusqu'à où? Je sais pas, je suis. Ah, ça a ouvert ici. Première porte. Ok, vas-y. Oh non, oh mince. Il y a encore plus de redstone. Ah bah oui, bah là, écoute, là, il va falloir résoudre l'énigme. Mais j'aime pas la redstone, moi. C'est au bout de combien de temps qu'il faut mettre un repeater? Maintenant serait pas mal, ouais. C'est bon. Oh. Et là, 5 de redstone en plus. Encore. Ok. Vas-y, on récupère notre redstone. Enfin, sauf stop, ici c'est bien. Non. Ah oui, j'avoue que ici c'était bien. Heureusement que dans Zelda, fallait balancer des bombes et taper sur des monstres parce que bon, la redstone. Ah ouais, mais bon, là, pour le je coup. Je crois que Breath of the Wild, je serais pas allé jusqu'au bout. Hein. Non. Avec de la redstone. Mec, j'aime pas la redstone, c'est chiant. Dans le 2, tu pourras. Ah non, j'espère qu'il n'y a pas de redstone dans le 2. Et la porte est ouverte, mec. Oh! On me dit pas qu'il y a 25 000 redstone. Botte du héros! Oh oui, regarde! Oh non, par contre, il y a vraiment 25 000 redstone. Qu'est-ce que regarde. C'est? Regarde! On peut passer! Je peux le faire là, moi? Mais oui! Waouh! Ah, c'est beau! C'est fou! J'aime la technologie, les amis. Je ressemble à rien avec ma tête de Luigi, mes grosses bottes. Ah ouais, non, mais là, c'est pire en pire. Là. Attends, je récupère la redstone. Vas-y, récupère la redstone. T'es sûr qu'il faut récupérer la redstone? Parce que moi, j'ai deux repeaters là. Ah oui, il faut la récup. Ah ouais, faut la récup. Là, je me sens bien à l'aise là, tu vois. Ouais, je vois ça, vas-y. On est parti. Waouh, c'est ouf. Ça me donne envie de rejouer à Breath of the Wild là, ça y est. C'est vrai. Et oh, orbe de vie. Vous rajoutez 4 cœurs supplémentaires, tu l'as eu aussi ou pas? Oh, oh. Ah, c'est oh, flippant ce machin. Oh, ce beau son. Viens voir, il est flippant lui. Hein. C'était dégueulasse. Oh mon dieu. Oh, oh là là. Arbre, bonjour, c'est coupé. Bonjour, on vole. Oh, il a une belle tête. Oh, bonjour, il est bien fait. Mon dieu, l'épée. Non, attends, qui es-tu? Attends, du calme. Et on me voit des plombiers. C'est pas dans mon scénario, ça. Bon, bah, vous devrez faire l'affaire. Récupérer l'épée de légende et avancer sur le chemin. Ouais. Regardez comme c'est beau cet arbre, là. J'ai augmenté le render là, distance. C'est, là, c'est beau, hein, c'est magnifique. Et est-ce que tu vois surtout ce qu'il y a là? Ah, d'accord, donc le mec, il a la potion de force de je sais pas quoi, l'épée de je sais pas quoi. Tiens, il a allez, tout, t'es. Luigi, comme tu es toujours le second. Mais oui. Je t'offre. Ah, ça y est, c'est enfin Luigi qui a le vrai rôle. Voilà, c'est ça. Recule 2, à défaut épée d'un aspirateur, t'as une épée. De légende. Ouais. Mais qu'est-ce que j'en fais, moi, de mon épée de légende? Mais garde-la, tu vas devoir nous défendre dans l'arbre mojo. Ah, ouais, d'accord, bah allons-y. Alors. Ouais. Eh, encore une fois, on lit pas assez, mais juste les gars, cette map. Alors cette map sera dispo en téléchargement d'ailleurs. Ah yes. Genre les mecs l'ont fait pour une vidéo YouTube, ils ont fait ça quoi. Genre. C'est vrai. Laura.
Bah oui, demain c'était fou. Pour une vidéo. Je leur ai dit, hé les gars, je voudrais une map sur Universal. Genre, ils ont fait un arbre géant là comme ça là. Mais oui. Mais ils sont. Incroyable. Ah non, mais ils sont. C'est les meilleurs. Moi, je me souviens, au tout début, il y a 9 ans, quand j'ai joué à Minecraft. Pourquoi t'étais où là? J'enlève le shader parce que là, je n'y vois plus. D'accord. Bah, j'étais sur un serveur, je crois que c'était Minefield, et puis j'avais aidé à construire un arbre géant. Et j'avais fait des escaliers et tout dessus. Et ensuite, on a joué dessus sur la map FK4. Non, c'est pas ça. Non, c'était pas le même arbre. C'est pas ça du tout. Dis-moi, j'ai toujours mes Pokémon, moi. Je sais pas pourquoi. Bah, mais... écoute, moi, à Ganondorf, je lui envoie mon Pikachu dessus. Hein, ouais, c'est ça, coup, exactement. Et c'est exactement, parti. Exactement. Alors, qu'est-ce qui se cache dans l'arbre Mojo? Des araignées, sûrement. Alors, enfin un endroit pour se poser, hein, j'avoue. La princesse ne sera pas contente. Mais d'ailleurs, ça aurait été bien que le Toad nous suive en permanence. Ça aurait été un peu bizarre, ça aurait été rigolo. Collection de manga, il y a tous les Dragon Ball là. Nice. Ah, là, on va se poser ici 5 minutes. Hein. La princesse, elle va attendre. De toute façon, moi, j'ai même pas de princesse, donc à partir de là. Ouais, écoute, pour l'instant, on vient sauver la mienne. On verra la tienne plus tard. On s'arrangera. Attends, mais est-ce que t'as des effets? Parce qu'en plus, la potion m'a donné Nyctalopie 2, résistance et bonus de vie 2. Ah, ça par contre, j'ai Nyctalopie 2. Hein. Ah, tu as Nyctalopie, bon, très bien. Ouais, je suis Nyctalope. Ouais, tu es Nyctalope, le fameux. Bon, eh ben écoute, progressons. Eh, on est sorti de l'arbre Mojo direct. Ah, c'est qui lui? Oh, c'est Tortimer. Vous oh attendez, Tortimer d'Animal Crossing. Mais bien sûr. Je suis pressé de partir à la retraite. Allez, vite, à la mairie pour prendre les clés de la ville. Mais c'est trop bien, on change, on passe de jeu en jeu. Tu vas jouer à Animal Crossing qui va sortir? Bah ouais, je vais faire un 100%, mon gars. Je fais le jeu. Allez, 100% sur un Animal Crossing. Oh, il y a un tour là. Truc impossible, c'est bizarre d'avoir un petit village au pied de l'arbre Mojo comme ça avec des maisons. Ouais, j'avoue. En fait, t'imagines, tout est lié comme ça en fait. Ah, ça c'est pas Tom Nook ça? Ça c'est la. Si, ça c'est la boutique de Tom Nook. Bah regarde, il est là. Il est là, il est beau. Il est trop mignon. Il est incroyable. Donc, tous les jeux sont mélangés. Est-ce que tu crois en cette théorie, tu sais, qui dit que. En fait, tous les univers de Nintendo seraient liés. En fait, tout se passe dans un même monde, mais à différentes zones de la. Ah ouais, ça me paraît un peu compliqué, mais. Ça me paraît compliqué aussi, mais en vrai, ce serait stylé. Ce serait sympa, c'est cool si t'es pensé à ça. Qu'est-ce qu'il y a ici? Déjà que les Zelda, j'ai du mal à croire qu'ils soient tous liés, c'est un peu le bordel leur timeline. Ah, ils ne rentreront pas là-dedans. Qu'est-ce que c'est? On est où là? On est à la poste. Fossile de Kabuto, ah région non, de Kanto. Bah, c'est le musée. Ouais, j'allais dire le cimetière où là. En vrai, ils sont bien faits les fossiles. Ouais, les fossiles sont assez... Ils ont fait un petit musée, par contre. Quand tu vois l'herbe Mojo et le musée à côté... En même temps, le musée, il y a des problèmes de rapport. Genre, t'as un truc souterrain immense. Ouais, il est immense, le musée. C'est immense. Regarde, il y a plein de choses là-bas. Il y a plein de maisons. Bah, je sais pas où est. Moi, je cherche la mairie. Hein. Ah, mais c'est ça. Écoute, avançons. Tu penses que c'est ici? Bah ouais, c'est là, regarde. M'a prévu de votre arrivée. Tortimer m'a prévenu. Bon, en tout là. En tant que nouveau maire, vous devez choisir le nouveau nom pour la ville. Les habitants proposés. Sif City, Freeville. Mais quoi, il a choisi déjà? Non, attendez, on peut pas remonter? Non. Ah bah super. Bon bah, ah, Freeville, c'est un très bon choix. Les habitants vont adorer. La première mission en tant que maire est d'activer les générateurs électriques. Oula. Waouh. Bah je vais utiliser mon Pikachu, mon gars. Ils se trouvent tous à l'extérieur des bâtiments. Il va servir à ça. Hein. Je vais faire le tour de Tom Nook pour voir. Non, il y a rien là, j'ai l'impression. Il faut qu'on se balade et qu'on trouve... C'était peut-être les autres bâtiments. Ah si, là, il y en a un, regarde. Ah, attends, t'es où? Waouh. Bon bah, Pikachu, à toi de jouer. Hein. Attends, fais voir. Je vais voir à quoi ça ressemble. C'est une sorte de gros bouton. Hop. Je viens d'activer là, regarde. Effectivement. Il est devenu rouge. Enfin, il est devenu vert. Bon, parfait. Là, faut qu'on en trouve d'autres. Séparons-nous alors. Faut qu'on trouve les deux autres. Non, il y en a combien? Il y en a trois. Bah, il y en a trois apparemment. Séparons-nous, cherchons. Regarde ce qu'il y a là-dedans. Non, il n'y a rien là-dedans, malheureusement. Ok, bah écoute, on se balade. Je vais aller un petit peu à la plage, pêcher un petit requin lunaire là pour avoir des clochettes. Vas-y. En vrai, ça me manque, j'ai trop envie de rejouer Animal Crossing là, c'est. Mais moi aussi. J'ai beaucoup trop envie. Je pense que c'est un des jeux où j'ai le plus passé de temps. Hein. Mais mec, moi, tous mes étés avec Zef et tout, on jouait le soir à la piscine et tout. Moi, je jouais avec mes sœurs. Ah, j'en ai trouvé un là. Oh, je viens de voir un truc, mais c'est bon, putain. Et voilà, donc, et de deux, okay. Il faut trouver le troisième maintenant. Oh, oh là. Ah, t'as trouvé le dernier? Alors, ouais, j'ai trouvé le dernier et surtout. Oh là, champ de bataille. Smash Bros. C'est Smash Bros. Ah ouais, c'est le champ de bataille de Smash Bros. Mec, y'a un adversaire. J'ai juste une petite épée, toi t'as ton épée, hein, oublie pas. Ah, je vais le tuer. Je sais pas s'il faut le faire tomber. Il s'appelle comment? Falco. Mais Falco, il manque un peu sa tête. Vas-y, attends. On va y arriver. Oui, j'avoue que oui. Eh, ça me rappelle les pics, je sais plus quoi, là, sur Celestia. Oui, quand on devait se faire les Olympiques. Les Olympiques de Celestia. Attends, vas-y, viens, on essaie de repousser par là. On va le faire tomber. Allez, hop, ciao. À la prochaine. Attention, Samus. Mais faut tous les faire tomber, bah t'inquiète, regarde. Hop là.
Allez, merci Smash Bros, voilà, Samus, à la au prochaine. Revoir, oh mon dieu, Link. Il y a Link qui arrive, vas-y mon gars. Attention. Oh, oh ah ah il est parti avec toi, il est parti avec toi. Vous avez tué tous les ennemis, Elytra, on a eu des Elytra et des fusées. Oh, ça m'a sauvé. Merci d'avoir joué. Et on a fini la map. Bah voilà, écoute. Ah bah voilà. C'est quoi ça? Ah, c'est symbole Smash Bros. Et j'ai eu des fusées si on veut se balader, je sais pas pourquoi. Bah vas-y, on va se balader avec les Elytra. Attends, moi je vais me remettre les shaders du coup. Je peux mettre l'épée dans l'autre main? Ça n'a aucun sens. Beauté. Mec, ça n'a aucun sens. Ah non, non, attends. Mario avec des Elytra, Excalibur, les vieilles bottes des. Ouais, j'avoue que là. Ah bah c'était cool, moi j'ai bien aimé. Hein. C'était très très cool. C'était une map qui dure pas très longtemps, mais qui était un petit peu nostalgique pour se balader dans l'univers de Nintendo. Et bah pas très longtemps, d'un autre côté, ils ont build des choses. Hein. Ah non, mais attends, je vais choper la princesse Peach. Non, reviens ici. Je vais lui dire que t'es mort et du coup ça va être ma femme. C'est parti. Regardez le. Peach, j'arrive. J'arrive. Oh. Non. Si. Princesse. Oh purée. Moi je suis arrivé avant toi, je l'embrasse. C'est m'en fous. C'est pas grave. Je te laisse, elle est trop chiante. Ah mais regarde, là je suis bête. Il y avait ma femme à côté. Bah voilà, regarde. Toi t'es sur le petit trône à côté. Oh non. C'est et le roi au milieu, tu vois, voilà, c'est comme ça. Voilà. Bon, parfait. Bon, les amis, on va se laisser là pour cette petite map. En tout cas, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous conseiller d'autres maps si vous en avez. On vous refera d'autres petites vidéos comme ça, bien sympathiques. Mais en tout cas, je sais pas ce que t'en as pensé. Elle était bien. Ouais, franchement, du beau travail. Bravo à la team Andorra. Elle bien très joué. Cool. Et j'ai toujours mes Pokémon. Hein, si je mets attention, ce sera une bataille de Pokémon. Un de ces quatre. Bref, sur ce, merci beaucoup. On vous fait des bisous. Pensez à aller voir la chaîne de Frigiel. Allez voir le Twitter de la team Andorra. Et on vous dit à bientôt. À bientôt.